sur la droite les Parisiens, et puis dans leur traditionnelle couleur jaune on va retrouver nos Lyonnais. Le coup de sifflet de M. Ben Chaban est dans 90 minutes. L'une de ces deux équipes pourra continuer à espérer en vue de la course à la montée. On va suivre cette action bien sûr côté parisien avec Pierrati qui va orienter vers Sidibé côté droit. Le contrôle de la poitrine, peut-être un centre à venir, c'est chose faite. Attention parce qu'il y a de la taille avec Nani Nzayamo qui a placé sa tête, ça va passer au-dessus. Avec ce corner là qui va être frappé, c'est frappé fort au premier poteau. Il aurait pu avoir une opportunité. Avec la deuxième chance là peut-être, ce bon démarrage de Ezikian. Mathieu Ezikian, le centre fort retiré du pied par Vincent de Marconnet. Et regardez le pressing parisien qui va leur profiter. Madiani qui va tout de suite lancer. Nani Nzayamo qui a réussi à frapper. Il avait été justement bien marqué par Charvet. Cédric Touta, regardez qui va faire la différence à la course. Il est passé, Cédric Touta. Il va pouvoir avancer, être face à Sidibé. Il est passé une deuxième fois. Cédric Touta qui a peut-être une possibilité en retrait. Oh, il l'avait vu. Et finalement, peut-être que l'on se dit qu'il aurait pu prendre ses responsabilités. Hervé Liboy, désormais le capitaine, qui a vu l'espace avec Rommel de Marie. Romuald de Marie, le bon appel de Pierrati finalement vers Nani Nzayamo, la tête croisée qui va passer à côté. Oh, pop, 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 pop. Talaoui. Est-ce qu'il va redoubler avec Sbahi? Oui, il l'a vu, il est pas hors jeu, il va pouvoir centrer. Il y avait Cédric tout inquiété au premier poteau qui n'a pas pu bien ajuster. Vous pouvez faire la différence. Ce corner, pied gauche, trajectoire rentrante, bien enroulé, ça va revenir vers Massouema, comme un miracle, la tête de Camara, Massouema une deuxième fois. Oh, ils sont vraiment valeureux, courageux, héroïques presque en défense là du côté de Lyon-Duchère. Idriss Eschergui. Oh, le corner qui a bien été enroulé à nouveau. Thomas Martin, Romain Marie qui va remettre ça dans la boîte, avec la reprise d'Alemi Baza. Oh, c'est parti dans le chapiteau. Mais ça aurait bien pu finir au fond des filets. Alemi Baza. Oh, la petite extérieure là pour Demba Camara qui va aller vite. Hein. Il va aller vite. Il est passé devant Ogier. Il va décaler Alemi Baza. Oh, la poussette que dit Monsieur Pelchapa. Penalty. Penalty pour le Paris FC. Idriss Eschergui face à Maxime Kassara. Idriss Eschergui qui s'élance. Oh, l'arrêt de Maxime Kassara. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Et attention à la contre-attaque de l'autre côté avec ce ballon dans sa phase de réparation, le petit décalage. Hop, 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 hop. C'est peut-être pas terminé, Madiani. Karim Bokenem qui est complètement fou dans sa zone technique. Oh, le centre de Demba Camara. Oh, la matière. La matière de Demba Camara qui vient, et bien sans doute pourquoi pas, offrir les 3 points au Paris FC qui va mener. Oh, mais où est ce but? Le ballon qui va revenir, la faute, la faute, la faute, la faute, la faute de Thomas Martin, bien sûr. Et Monsieur Ben Chaban qui en décidera autrement. Victoire super du Paris FC qui n'a pas dit son dernier mot dans cet exercice 2016-2017. Grosse déception, on l'imagine, pour Lyon-Duchère.